Ma Mission TV, le miroir du monde. Des mères physiques dans les quartiers VIP d'Alim au numéro 50. La voiture est encore en train d'avancer. Prochainement, ça sera une autre personne. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous verrons. Nous te remercions, oh Dieu, de tout ce que tu as fait. Parce que aucun de nous ne pouvait penser que ceci pouvait nous arriver. Mais toi, Dieu, tu le savais déjà. Nous voici maintenant tes enfants, pleins de larmes aux yeux, pour cette douleur de séparation de notre papa, notre frère, notre grand-père. C'est pourquoi nous te remercions, oh Père, de pouvoir contenir nos cœurs afin que nous ne soyons pas troublés, mais nous savons que c'est ton destin. Et en ce moment précis, Seigneur, que tu bénis chacun de nous ici présents, et parce que tu nous as fait voir ce qui se passe sur la terre, que c'est cette même voie que nous allons suivre pour retourner auprès de toi. Seigneur, nous n'avons pas d'autre chose à dire si ce n'est qu'à toi, à compléter ce que nous avons dit ici. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Nous remercions le patriarche pour sa belle prière. Et notre mot de bienvenue est que cette période, ce moment où nous sommes en train de passer est connu par nous tous. Nous soutenons votre présence ici en ce lieu parce que Dieu a dit pleurer avec ceux qui pleurent. En ce moment, notre douleur est très grande, mais nous disons que c'est une douleur qui est maintenant remis en méditation parce que nous connaissons les traits de vie que Dieu a établis pour nous. Aujourd'hui, c'est son arrêt. La voiture est encore en train d'avancer. Prochainement, ça sera une autre personne. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous verrons Dieu. Nous avons la foi. C'est comme ça que nous appelons son fils aîné. J'ai dit fils aîné, le frère Mathieu Manga, pour lire sa biographie. Et celui qui n'est pas avec nous ici, dire merci à vous tous qui êtes présents et qui êtes venus nous soutenir dans ces moments douloureux. Notre papa, mais que je ne dirais pas que nous plairons, mais nous célébrons aujourd'hui parce que c'est un héros, c'est un maître, c'est un guide et il a été pour nous un soutien inconditionnel. La personne que nous plairons à ce jour s'appelle Mololo Kaluta Crispin. Il est né à Samwanda, à Luisa, dans la province du Kasaï central. Il est le fils de Mathieu Manga Kaluta, décédé d'ailleurs. Et
de son vivant, il nous disait, donc il n'avait jamais connu. Parce que décédé alors que notre papa avait 6 mois. Et fils également de maman Candide. Tous décédés. Notre papa a fait ses études primaires à Luambo, à Luisa, dans la province du Kasaï Central. Après ses études primaires, à Luambo, il va aller toujours à Luisa pour suivre ses études secondaires. Et dans les conditions dans lesquelles il vivait, il ne pouvait plus continuer ses études parce que orphelin de père. Et dépourvu de tous les moyens pouvant lui permettre d'étudier, il décida de quitter son village natal, sa province, pour aller dans les Katanga pour chercher sa vie. Et c'est là qu'il va faire ses études professionnelles, où il sortit avec un certificat, évidemment, de mécanique. Et c'est ce qui lui permit, en ces temps-là, de quitter la province du Katanga pour chercher la vie ailleurs, et ce qui l'a amené ici à Kinshasa. Comme on a toujours dit, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'orphelins, d'orphelins et de veuves. En 1972, il va être employé à la société pétrolière Shell, où il ne travailla qu'une année. Et de grâce en grâce, il va être adopté par quelqu'un. C'est celui-là même qui lui changea le nom de Mololo pour devenir Malolo. De votre histoire. Et c'est celui-là qui l'a pris en charge et l'inscrivit à l'époque à l'institut que nous connaissons aujourd'hui, l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP. Il sortit également avec un autre diplôme, toujours en mécanique. Et en 1973, il fut engagé à la bouteillerie de Kinshasa, Burkina, où il travaillera durant 43 ans, c'est-à-dire de 1973 à 2016, où il alla à la retraite. Notre papa, c'est un croyant chrétien, un fervent serviteur. Ce qui lui amena à croire en Jésus et fut baptisé à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, où il nous amena tous, ma grande sœur et moi, et les autres qui sont venus après sonner à l'église. Et c'est là que nous avons tous grandi. Nous gardons de notre papa le souvenir d'un père aimant, rassembleur, courageux. Suivons les instructions de la sécurité qui est là, disposée à nous orienter. Les membres de l'église derrière l'évêque, les membres de l'église derrière l'évêque. Si les membres de l'église sont là, ils sont derrière l'évêque qui est en train de partir. Allons-y, dire un dernier mot à notre patriarche. Les membres de l'église derrière l'évêque, s'ils sont là, on suppose, comme l'évêque est passé, c'est-à-dire tous les membres sont passés. Les beaux-fils et belles-filles du défunt se préparent eux aussi. Je dis les beaux-fils et belles-filles du défunt, Babokilo. Yabasina Yamibali, Sogi Bazali,
bakota mbala moko na sima ba membre de l'église rapidement s'il vous plaît bosu mabiso ba bokilo ba bokilo ya basina ya mibali soki bazali ba lekar rapidement s'il vous plaît. Mon fils est belle. Merci beaucoup. Ils sont suivis de la famille élargie. Ils sont suivis de la famille élargie. La famille élargie du défunt. Néné à Papa Malolo. Voilà la grande famille. Ils sont en train de. Maintenant, j'ai l'unité.
merci beaucoup pour avoir, oui, les fils et filles du quartier, je pense que vous êtes passés. Les filles du quartier sont passées. Merci. Pour le général, pour honorer votre frère Malolo Crispin. Après le général, nous allons rompre tout petit peu et nous allons entendre un petit témoignage d'une personne seulement va témoigner et lui, c'est son collègue de service. Là où il a travaillé toute sa vie, c'est très important pour nous d'entendre ça avant les enfants. Viendra sa famille biologique. Et après la famille biologique, nous allons pouvoir déterminer la descendance Malolo. Ça, c'est la descendance. Ça, c'est la deuxième génération Malolo. La deuxième. Il a déjà une très grande généalogie. L'arbre s'est vraiment étendu. L'arbre généalogique que nous appelons. Voilà comment il a rendu au monde. Ils sont si nombreux. Le petit-fils Malolo. Le petit-fils et fils Malolo. La grande famille Malolo avec son aîné Philo Malolo, sa maman Moui, sa femme aînée toute la vie. Voilà. Et c'est lui qui porte. Les hommes de fer, c'est Manga Mati. Quatre garçons. Et nous pouvons te les remercier. Cinq filles, quatre enfants. Voilà, c'est la circonstance dont nous avons. Voilà, voilà, voilà. Protégez la sécurité, s'il vous plaît. La sécurité, s'il vous plaît. Ah. Voilà. L'émotion est très grande, s'il vous plaît. Nous pouvons endurer cette période dure. S'il vous plaît, respectons les principes de Dieu établis. La mort nous sépare, bien sûr, mais nous allons nous revoir. La sécurité, s'il vous plaît, les garçons, aidez-les. Aidez-nous la sécurité, s'il vous plaît. Aidez-nous. Ok. Merci beaucoup pour ce moment. Nous allons pouvoir nous arranger à nous rendre au culte, à la paroisse de Kintsuka. Qui est situé à Brikin, c'est-à-dire nous nous orientons maintenant là, à la paroisse Kintsuka de Brikin. Nous allons pouvoir finir avec une prière. Nous allons finir par une prière qui nous sera dite. Nous allons finir par une prière. Nous allons finir par une prière. Aidez-nous, s'il vous plaît. Évêque, l'évêque, vous allez nous aider. S'il vous plaît. Par une prière. Nous allons finir par une prière, s'il vous plaît. La paroisse de Brikin, qui est située à l'arrêt deuxième virage. Voilà l'évêque. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infinis. Nous te prions que tu sois avec nous, de pouvoir nous protéger durant notre voyage que nous allons effectuer. Nous allons prendre les transports, que tes anges gardiens
ainsi la sécurité des moyens de transport environnemental. Je suis fait avec tous les chantiers de l'État. Aucun mal ne pousse les armes. Merci Jésus. Seigneur, merci. Thank you.
Bonaparte. Donc, et donc derrière, il y a aussi un grand écrivain. Chère famille, on est votre vie renouvelée. Soyez lui fidèle là. Et non point dans une sentimentalité rétrospective dans laquelle il faut avoir le courage de briser. Sa véritable grâce n'est pas dans certains. Doit vous libérer, non vous déprimer. Non pas oublier Papa Pascal, mais chercher en avant. Malgré tout ce que vous pouvez sentir ou croire. Reconnaître avec évidence que votre vie doit se... par une citation de Victor Hugo qui nous dit, je cite, « La beauté de la mort, c'est la présence. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. » Fin de citation. Chers familles, parents et amis, votre présence en ces lieux, dans cette cité fleurie de la nécropole de Kinshasa, pour accompagner dans son dernier voyage, Monsieur Malolo Kalota Crispin, au-delà de la souffrance et de la douleur causée par sa disparition, est un signe d'amour et d'amitié envers cet être cher, témoigné ainsi. Ô combien était important cet être aimé dont il faut se séparer aujourd'hui, car séparation il y a. Ô combien la mort n'efface pas Papa Crispin, lequel continue par amour à vivre très fort de vous et par la force de sa jeunesse, à creuser son nid d'amour dans les cœurs de tous ceux qui sauront entretenir vivante sa mémoire. Au regard de tout ce qu'il était, et en communion de pensée pour lui, la nécropole présente à vous sa famille et à vous tous ici réunis pour ce dernier rendez-vous avec lui, ses condoléances les plus sincères. Et offre un réconfort moral, l'assistance et la mobilisation de son personnel à cette cérémonie circonstancielle. Un point de dignité et de solennité au cours de laquelle nos émotions devront librement et spontanément s'exprimer. De Papa Crispin, l'histoire retiendra qu'il tire sa ligne parentale de Papa Manga Kalota Mathieu et de Maman Kandendi du village Samwanda, où il a vu le jour le mercredi 10 octobre 1951 dans le secteur de Louetta, territoire de Louisa, Letou, dans la belle et chaude province clairière du Kasaï central. Et voilà qu'il s'en va ce jour dans la félicité éternelle,
En nous quittant inopinément le samedi 1er mai 2021, ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui veuve, enfants et petits-enfants, tous éplorés et angoissés par cette disparition. Son parcours de vie parmi vous était marqué par une vie professionnelle très intense en sa qualité de mécanicien à la société Shell, puis à la société Bouquine. Une carrière qu'il a assumée et menée avec loyauté et dévouement sans faille. Cela à la grande satisfaction de ses supérieurs ainsi que de ses pairs. Une vie communautaire de fervent chrétien. Papa Crispin était un fidèle et patriarche à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans la commune de Ngaliema. Il s'en va en nous laissant les souvenirs d'un homme serviable, généreux et sociable, qui n'hésitait pas d'apporter son concours là où les équilibres vitaux étaient menacés de rupture, ce qui lui a valu l'admiration et l'estime de nombreux d'entre vous. Il vient ainsi de fermer la dernière page de l'histoire de sa vie, comme une page d'un livre qu'il aurait pu écrire à la lumière de son esprit et à l'encre de son cœur. Avec les mots doux et chaleureux dédiés à sa famille et aux générations futures, afin que vive à jamais sa mémoire. Chère famille, fortifiée de toutes ses sagesses et fidèle à la mémoire de Papa Crispin, vous n'irez plus le chercher à son domicile conjugal, au numéro 42 de l'avenue Mama Yemo, dans la commune de Ngaliema. Car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier VIP d'Alim, à l'Essette, au numéro 50 de la rue du Renouveau. La nouvelle adresse de Papa Crispin Malolo, cité Nécropole, quartier VIP d'Alim, à l'Essette, au numéro 50 de la rue du Renouveau. C'est ici, chère famille, et nulle part ailleurs, que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vos souvenirs et refleurer sa sépulture. N'attendez pas seulement le 1er août, jour officiel des morts en RDC. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et de ses partenaires dans l'hôtel de vie de Kinshasa, nous réitérons à sa famille ici réunie nos condoléances les plus sincères. Et au nom de notre président du conseil d'administration, nous offrons cette gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de Papa Crispin. Un membre de famille, s'il vous plaît.
À la dernière demeure de notre cher papa, Malolo Kalota Crispin, demeure physique dans le quartier VIP d'Alim au numéro 50. Et maintenant, nous allons confier son corps à la terre et nous ferons d'abord la descente et ensuite la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot ou à un pasteur ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière. Et une fois descendu dans les caveaux ici, on n'y met que des fleurs naturelles en signe de revoir. Et pas de fleurs plastiques ou synthétiques, ni de vieilles habits dans les caveaux. C'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Et les fleurs plastiques que vous avez amenées serviront pour embellir la tombe. On le mettra au-dessus de la dalle. Et quand la dalle sera sèche, après quelques jours, comme vous voyez partout ailleurs. Et les travaux de la dalle, c'est-à-dire la couverture du caveau prendra 30 à 45 minutes. Et si la famille veut, elle peut rentrer, revenir demain ou le lendemain pour voir comment on a travaillé. Merci. Et maintenant, nous allons faire la descente et ensuite la parole sera accordée à la famille ou à un pasteur ou quelqu'un inspiré pour une courte prière. Attention, il est prêt pour ceci, hein? Oui. Vous soulevez pas? Levez. Voilà, chère famille, vous avez la parole. Un dernier mot, excusez. Je suis allé à la maison.
Pas de dire surtout merci à la famille restreinte qui conseille nous pour aujourd'hui enterrer notre papa qui nous avons tant aimé, notre papa qui nous avons toujours appelé franchement, notre papa qui nous avons appelé. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup exécuté, il a beaucoup formé. Et aujourd'hui, les personnes qui l'a formé, nous sommes là. Nous devons maintenant accomplir ce qu'il nous a formé. Et je sais que il sera toujours avec nous. Ça, c'est un lieu où il est pour un temps. C'est ce que nous on sait, c'est ce que moi je sais, je sais. Et c'est ce que je crois aussi. Et nous t'aimons, papa. Et je sais que où tu es très content de nous. Il faut savoir aussi que nous, tes enfants, nous sommes toujours reconnaissants. Et nous allons se battre pour te honorer, pour te glorifier. Et nous allons faire de nos mieux pour protéger ta femme, maman que tu as laissée. Nous allons la rendre heureuse et nous serons toujours là pour nous. Merci beaucoup. Je dirais toujours merci à toutes les familles qui se sont réunies, qui ont passé le temps avec nous, qui nous ont visités, qui étaient là pour nous aider. Et surtout la famille Carlota Forever, vous êtes géniales, vous êtes magnifiques. Merci. C'est un papa qui m'a vu naître et moi je l'ai vu mourir. Comme je garde toujours des bons souvenirs. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, nous gardons toujours comme un papa qui aimait tout le monde. Je me souviens avec ses conseils, depuis que nous étions des enfants jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours à nous donner des conseils jusqu'à la mort. La dernière fois que nous avons parlé avec lui, c'était le premier dimanche du mois de mars. Il était
était venu dans mon bureau, nous avons beaucoup parlé, et c'était vraiment notre dernière conversation. Je sais que la mort, c'est le début d'une existence que nous, les humains, nous ne connaissons pas. Un jour, si l'Éternel enlève notre voile, nous saurons maintenant où vont les morts. Et nous serons très contents. Et un jour, quand il ressuscitera, nous allons encore nous saluer et nous serons encore très fiers d'écouter ses conseils. Alors à ce moment-là, nous vivons dans un monde où il n'y aura pas de maladies, où il n'y aura pas de morts. Que Dieu bénisse toute la famille Kalota et que notre papa repose en paix aujourd'hui à Nécropole.